pour un nouveau haul action. Je vous rassure, beaucoup moins long que le premier. Eh bien, commençons tout de suite. Nous allons commencer cette fois-ci par le thème art créatif, pardon, je perds mes mots. Il est assez tard, à l'heure où je tourne cette vidéo, excusez-moi. Donc nous commençons par les arts créatifs et j'ai trouvé le deuxième petit coffret de Washi Tape. Donc j'ai fait plusieurs magasins avant de le trouver, mais je l'ai enfin trouvé. Et donc ce petit coffret est à 2,26€ pour 24 Washi Tape. Ensuite, j'ai trouvé ces petits feutres-ci que je n'ai pas testé, mais qui je pense me seront fort utiles pour mon bullet journal. Ces 4 petits feutres de couleur pastel sont à 99 centimes pour les 4. Il y avait d'autres couleurs, mais moi j'ai préféré ceci. Ça correspond pas mal au ton que j'utilise souvent dans mon bijou. J'ai oublié de vous dire, certains articles, je vais omettre de vous donner les prix, tout simplement parce que je commence à acheter les petits cadeaux de Noël déjà pour certaines personnes. J'ai le cadeau d'anniversaire de ma filleule. Au cas où ces personnes me regardent, je ne vais pas non plus divulguer les prix. Donc, entre autres, un cadeau, ce sera ceci. Je ne sais pas, voilà, si vous verrez super bien avec le plastique, mais c'est un diary journal. Voilà, bon, moi je vais plus l'offrir une petite adolescente qui à mon avis s'en servira plus comme journal intime. Je le trouvais sympa. On continue avec des petits livres de coloriage. Donc celui-ci. Il y a vraiment des dessins qui sont pas mal du tout. Il y a beaucoup aussi de mandalas. Bon, par exemple, voilà. Donc celui-ci est sur le thème des animaux. Je ne vous donne pas le prix non plus des livres de coloriage. Et nous avons le suivant. Donc celui-ci. Je prends quelques pages au hasard. Celui-ci est beaucoup plus sur, il y a des animaux aussi, mais beaucoup plus sur les fleurs, en fait. Voilà pour les petits livres de coloriage. On continue ensuite. Ils ont rentré des petits pochoirs chez Action, comme ceci. Je n'en avais pas encore acheté car j'en ai déjà pas mal, mais tout compte fait, ils m'ont fait de l'œil car j'ai certaines idées pour, pour réaliser certaines pages de mon mois de décembre avec les fêtes. J'avais envie de me faire certains fonds. Et donc voilà, vous avez dans l'emballage chaque fois 5 pochoirs. Et je vous montre à l'arrière. Voilà, il y a tous ces motifs-ci dans celui-ci. Et j'en ai pris un deuxième. Donc celui-là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est 72 centimes pour 5 pochoirs. Et dans celui-ci, les autres modèles sont comme ceci. Voilà. Pour continuer, un des garçons doit réaliser une création pour l'école, avait besoin de papier cartonné couleur. Donc j'ai tout simplement acheté ceci. Je l'ai pris au rayon enfant. Pourquoi? Parce que il est moins cher bizarrement que dans le rayon loisirs créatifs. Si je ne me trompe pas, il y a 50 feuilles. Oui, 50 feuilles à 4. C'est du 120 grammes. Donc c'est du papier cartonné. Et j'ai payé 99 centimes pour les 50 feuilles. Ensuite, je ne peux pas résister aux stickers, donc j'ai pris cette fois-ci cette planche-ci. Donc il y a 2 planches dans l'emballage, ça c'est la première face. Et la deuxième face, c'est ceci.
Et donc les planches sont à, enfin c'est 94 centimes pour les deux planches. On va enchaîner avec, je ne sais pas, c'est le rayon où il y a tout ce qui est les écouteurs, tout ce qui est informatique et ce genre de choses. Donc j'ai deux petits articles. J'ai ceci. Donc une petite paire d'écouteurs pour mon fils qui en fait une consommation abusive. Il n'arrête pas de les casser. Donc vous risquez d'en voir passer très souvent. Donc cette fois-ci, je lui ai pris cette paire-ci qui est à 3,49 €. Pour continuer, je regarde pas mal de haul action évidemment et j'ai entendu dire, enfin plusieurs personnes disent que les cartouches d'encre action pour imprimante sont très bien rapport qualité-prix. Comme je viens de tomber à court d'encre dans mon imprimante, j'ai donc décidé d'acheter les cartouches pour les tester. Je ne sais pas si vous les avez déjà testées ou pas, en tout cas moi ça va se faire là tout bientôt. Et donc pour 5 cartouches d'encre, 2 noires et les 3 couleurs primaires, ça revient à 9,99 €. Pour continuer en nourriture, je n'ai que 3 petits articles cette fois-ci. Donc comme je vous disais la dernière fois, on est fan des sauces Action. Mais il y en a une que nous n'avions pas encore achetée et pas encore goûtée. Donc ça va être chose faite. C'est la sauce barbecue. Donc comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, on est fan de la sauce à l'oignon. Par exemple, les mayonnaises sont excellentes aussi. Mais cette petite sauce-ci, nous ne l'avions pas encore testée. Et elle est à 1,39 €. Ceci. Donc tout simplement, un petit saucisson. Voilà, 1,69 € à goûter également. Et enfin, en nourriture, les fameux petits hamburgers. Les enfants sont fans, moi aussi, pour être tout à fait honnête. Donc, ils étaient à 1,39 €. Pour continuer, ça va être un peu plus du divers avec certains cadeaux que je ne vous ai pas encore montrés. Et vraiment, bah, un petit peu de tout. Donc, comme par exemple, ceci. Moi, j'en suis fan, je les achète à chaque fois que je vais chez Action, ils sentent super bon. Vous avez 3 odeurs différentes. Ma petite préférence va pour ceci au citron. Il y a également lavande et le bleu, je ne sais plus quelle odeur c'est, mais voilà, ils sentent très bon. Ça coûte 79 centimes et pour ma part, ils fonctionnent tout aussi bien que les grosses marques où vous payez presque 3 euros la pièce. Donc j'en ai pris deux cette fois-ci. Ensuite, j'avais besoin d'une nouvelle poubelle simplement pour la salle de bain et je suis tombée sur ceci qui se présente comme ça et qui s'ouvre, voilà, comme ceci. Elle a cette taille-là et elle était à 1,99 €. Toujours dans le basique, je ne sais pas si vous les avez déjà testés ou pas, mais rapport qualité-prix, pardon, j'ai mis mal endroit. Non, il n'est toujours pas à l'endroit, donc je vais y arriver. Donc les petits essuie-tout par 4 rouleaux sont bah, pour ma part vraiment très très bien et ne coûtent que 99 centimes. J'ai deux petits chiens, je pense que je vous l'ai déjà dit aussi. Et ben, mes petits chiens adorent déchiqueter les jouets. Donc cette semaine, il y avait les petits jouets comme ça qui étaient en promotion. Et donc pour faire plaisir à mes petits oufs, j'en ai repris un. Il était à 1,49 €. Il y avait différents modèles. Il y avait les jouets en corde comme ceci. Il y en avait aussi avec petits jouets. Vous savez qu'ils font un peu cuicui comme ça quand on pousse dessus. Donc voilà, mais bon, moi, tout particulièrement, mon chien est dingue des cordes. Donc je lui en ai repris une. Je vous ai dit, les fêtes approchant et ayant des cadeaux à faire, j'ai acheté du papier cadeau, vous ne m'en voudrez pas, il est dans la voiture et vu l'heure qu'il est là maintenant, pendant que je vous filme cette vidéo, je n'ai pas eu le courage d'aller le chercher. Mais j'ai pris 2 rouleaux de papier cadeau et j'ai également pris ceci, donc les petits rubans avec les petits nœuds au-dessus. J'ai payé ceci 2,26 €.
Toujours pour les cadeaux, je n'ai pris que la version fille pour le moment, mais j'en achèterai d'autres pour les enfants et pour les garçons après. J'ai pris ces petites étiquettes pour accrocher au paquet cadeau et j'ai payé ceci 79 centimes. On continue. Je vais dire le rayon beauté, mais bon, il n'y a que deux articles et bon, rien de transcendant. J'ai voulu tester ces petits beurres de cacao qui sont à 1,98 € pour tout le paquet. Il y a dedans différentes senteurs. Il y a une senteur à l'huile d'argan, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a à l'huile d'argan, à la coco et au jojoba. Et en fait, vous en avez chaque fois un de chaque. Il y a aux amandes aussi. Donc, il y a quatre sortes différentes. Voilà. Donc, nous allons tester ceci. L'article suivant, je ne vous donne pas le prix parce que ça servira de petit cadeau. Donc, j'ai craqué pour ce petit coffret qu'on a déjà vu donc régulièrement sur pas mal de hauls avec les petits crackers à l'intérieur. Je le trouve vraiment super, super mignon. Et j'ai bien aimé ce qui est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous avez un gel douche, vous avez une lotion pour le corps, vous avez un gommage et une crème pour les mains. Donc, en fait, à l'intérieur, vous avez ceci. Voilà. Ensuite, en promo cette semaine, les pantalons de jogging pour hommes qui se présentent comme ceci. Donc tout simple, je l'ai pris en gris anthracite et ce pantalon de jogging est à 5,95 €. Et pour terminer, c'est l'anniversaire de ma petite choupinette, donc de ma petite filleule qui va avoir 3 ans. J'ai voulu la gâter un petit peu, donc je lui ai pris ceci. Donc, c'est une poupée où vous avez la baignoire, vous avez des petits accessoires, le petit canard, la petite tétine. Donc voilà, elle va pouvoir donner le bain à son bébé. Elle adore les poupées. Donc voilà. Évidemment, qui dit poupée, moi, ça m'a fait penser à poussette. Et donc, je lui ai pris la petite poussette en rose. Je vais essayer de vous montrer sur l'étiquette. Voilà, se présente comme ceci. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si vous souhaitez voir les autres vidéos. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais de gros gros bisous.